Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour le message express du jour avec le tarot maçonnique. On va regarder en quelques cartes quel en est son petit message pour vous, à savoir qu'on est dans du général et puis que c'est vraiment le petit message express du jour. Tac, c'est parti. Nous avons ici l'action. Tu vas essayer d'entreprendre quelque chose durant cette journée pour mettre un terme, d'accord? Et cela, c'est avec ton désir, ton envie, ton ambition. Tu n'es plus ici en train de subir, tu mets un holà, tu dis stop et tu passes ici à autre chose. On continue. Nous avons ici le soleil, l'accomplissement, l'aboutissement, l'accompagnement. Durant cette journée, eh bien, tu seras soutenu, appuyé, guidé, accompagné par rapport ici à des choix qui sont importants à ton cœur, qui te sont importants à toi et rien qu'à toi. D'où on entreprend quelque chose en lien avec peut-être l'accompagnement, aider quelqu'un, accompagner quelqu'un. On est ici soutenu par une personne qui nous est chère, qui tient à nous. Souvent, eh bien, c'est vraiment, ça peut être un compagnon, une compagne, un ami ou une amie, ou un père, une mère, voilà. Hein, quelqu'un qui est vraiment là pour vous, qui vous accompagne, en qui vous pouvez avoir confiance, les yeux fermés. Sachez aussi, vu qu'on a l'arcane 13 et ici le soleil, c'est que ce que vous êtes en train ici d'entreprendre durant cette journée par rapport à vos actions et à vos désirs, eh bien, sachez que c'est quelque chose ici de positif. Vous mettez aussi, vous fermez une porte pour en ouvrir une autre, tout simplement. On continue. Nous avons ici la roue de fortune. Tout à fait d'accord avec vous. C'est au positif ou négatif. Ça, je suis pas Madame Irma pour vous le dire. Par contre, c'est selon l'action que tu as entrepris. C'est clair que si ça a toujours été, si tu es quelqu'un qui est dans la malveillance, qui est vraiment nombrilique, c'est clair qu'il y a un retour de médaille. D'accord? Par contre, si tu es toujours dans la bienveillance, et ça, j'en doute pas, que tu es toujours en train d'aider autrui, eh bien, sache que, bah oui, cette roue, elle va actionner quelque chose ici de positif. Et ce qui est beau, c'est qu'on met un terme à quelque chose, d'accord, qu'on n'a plus envie, parce qu'on a compris aussi. D'où on ferme cette porte, on prend la clé et on la met à l'arrière du wagon, parce que c'est un acquis. Par contre, maintenant, on doit aussi se laisser accompagner, faire confiance aux personnes autour de nous, à qui... autour de vous, qui sont là, qui veillent sur vous, qui ont toujours été là autant dans les meilleurs que les mauvais moments, d'accord? Et ces personnes-là, elles vont vous aider à actionner ce positif, d'accord? On nous parle ici aussi, malgré que ça ne le représente pas dans le tarot, on vient ici aussi me parler d'une guérison par rapport peut-être à une addiction. Alors, ce n'est pas le diable, je suis tout à fait d'accord, mais vous savez que moi, le tarot, ce n'est pas selon la doctrine qui a été donnée, c'est vraiment eux qui me l'ont toujours enseigné depuis les années que je le travaille. Et la tempérance, un juste équilibre entre le positif et le négatif, ça vient un petit peu réconforter ce que je vous ai dit avant, d'accord? Par rapport à ce que tu as actionné. Est-ce que tu es quelqu'un de nombrilique qui est là pour passer au-dessus des autres? Chose que je pense pas, sinon tu serais pas en train de regarder cette vidéo. Ou alors tu es toujours en train d'aider autrui, de faire au mieux, hein, selon aussi ta croyance, ta religion, ton éducation et tout ça. Bah, sache que bah, aujourd'hui, il y a vraiment une porte qui se ferme, une porte assez négative, je ne vais pas te le cacher, pour laisser place vraiment à du positif, à des nouvelles rencontres, à faire confiance aussi maintenant. Donc je pense qu'il y a aussi un ménage qui s'est fait autour de toi. D'où ici la tempérance et le juste équilibre, d'accord? C'est l'ange après la mort, hein? Donc, qu'est-ce que tu as fait de positif? Qu'est-ce que tu as fait de négatif? Il y a un juste, ça c'est la clé que tu as acquise. Et maintenant, avec cette roue, on est vraiment dans l'action. On va faire bouger les choses. Après, si tu as toujours été dans la bienveillance, tu n'as rien à craindre, d'accord? Allez, je t'embrasse.